Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Bonjour Yannick. Voilà, je vais te faire découvrir, si tu veux, les pélargoniums qui ont plein de parfums différents. Tu vas voir, c'est un voyage dans le monde imaginaire. On est tous différents. Peut-être qu'il y a des parfums, moi je vais te dire, ça sent le citron. Toi, tu vas me dire, bah non, je trouve que ça sent la pomme. Le parfum, c'est toi, personnel, d'accord? Allez, ce pélargonium qui s'appelle Dr. Livingstone, qui sent très bon. Ah, vas-y. Je sais quoi ça sent sans sentir. Ça sent quoi? Citronnelle. C'est ça, ouais. Bravo. Les moustiques, ils aiment pas son parfum. Je le sais. Ah, la pomme. La menthe? Presque. La mangue? Non, il sent l'eucalyptus. Ça sent un peu le médicament. On en met sur le poisson. Du citron? Eh oui, on en mangerait. Hein. Et d'ailleurs, on peut les manger. C'est très bon dans la cuisine. Hein. Ça sent la menthe? À l'école? Ça sent fort. Ça sent fort, oui. Celui-là, il sent le pain des Landes. C'est mon pays, c'est les Landes. Celui-là, on aurait du mal à en manger. Tu sais ce que c'est, toi? Ça sent bon ou ça sent pas bon? Ça sent très bon. Ah ah. Tu me l'as déjà dit deux ou trois fois? La pomme. Eh oui, ça sent la pomme. Alors celui-là, il a un très joli nom, il s'appelle Poquito, qui veut dire tout petit. Alors celui-là, il a un parfum très très particulier. Il sent fort, hein? Tu sais, il sent le produit que ta maman le passe sur les meubles. Ça sent la cire. La cire? Ce que j'ai préféré, c'est que, en fait, c'est ce qui est, l'odeur qui était bizarre, comme la citronnelle et tout. Et ça sentait, et ça met beaucoup d'odeur dans le nez. J'aimerais bien être un jardinier. Ouais, j'ai plein d'odeurs dans le nez.